Et salut tout le monde, c'est Faredge de retour sur Mania Carta 2 sur Xbox 360 pour je sais pas ce qu'on va faire en fait aujourd'hui hein. La princesse Zelfie nous avait demandé d'attendre au repère, donc écoutez, on va rentrer au repère et on va voir ce qui se passe. J'en profite pour vous dire que déjà je suis désolé pour les petits soucis qu'il y a eu avec l'épisode, je crois que c'était l'épisode 6, sur le tuto sur le combat de groupe, hein, je sais pas pourquoi il y a eu un problème d'upload et j'ai pas pu la re-uploader avant, le lundi où est sorti l'épisode suivant, donc bon, je suis désolé pour ça. J'en profite aussi pour vous dire, alors peut-être que d'ici à ce que cette vidéo soit uploadée, le problème sera résolu. Mais il y a actuellement un petit souci, alors je sais pas si ça touche que moi, je sais pas si c'est YouTube, mais en gros, je ne reçois plus les notifications sur ma chaîne quand quelqu'un me poste des commentaires. Je reçois bien entendu un mail, donc je le sais, j'arrive à le savoir, mais je reçois plus les notifications sur ma page. Alors je pense que c'est un problème qui vient de YouTube parce que mes paramètres sont bons d'après ce que j'ai pu en voir. Du coup, c'est possible qu'il y ait certains de vos commentaires que je ne vois pas ou que je ne vois pas de suite. Donc si je vous réponds pas, c'est pas forcément que j'ai pas envie de vous répondre, c'est juste que j'ai peut-être pas vu le commentaire, tout simplement. Voilà, pour les petites infos. Et maintenant, bah écoutez, je sais pas ce qu'on va faire. On va te parler à toi, tiens. Tu dois être fatigué, si tu te reposais. Reposons-nous. Parce que j'ai le choix, de toute façon. Melissa. Boy, I'm such an idiot. I can only think of myself. I really am an immature kid, aren't I? I really ought to apologize. Ah oui, ça c'est sûr, vu comme tu as parlé à la princesse. Wow, what's keeping her? Is she still talking with Alex? Maybe I'll go check over at General Headquarters. Alors, direction le quartier général. It's a pleasure to be addressed at such length by you, Princess. However, that last part concerns me somewhat. Oh. I'm told that he's lost his memory, but that simply makes him a person of unknown background. Is it wise to allow him into the army? Juto hasn't caused any trouble. He's simply an ordinary young man who is mourning the loss of his close friend. Plus, Juto's intense anger towards Elgar almost drove him to recklessly travel north to try and exact revenge. I believe that it was ignorance of the realities of war that drove him to such an extreme notion. For that reason, I determined that it would be best if he fought in the Southern forces. I believed that if he experienced real war, he would see how reckless he was being. Besides, it is my responsibility that Juto was about to make such a rash and potentially fatal decision. You seem to have taken a fancy to him. I believe I may be a little jealous. Franchement, hein, je le redis, mais ce gars a vraiment la tête du traître. Je sais pas s'il va nous trahir ou pas, mais il a vraiment il a vraiment une sale tête. Il a pas une tête de gentil. Stop joking around, Alex. Personally, I'm not inclined to authorize it. However, I have a soft spot for favors from you. Anyway, they say that he defeated the Guardian, so perhaps he is more useful than he appears. I'll be going then. Far be it from me to play give and take. I've done as you've asked. So perhaps you might be more forthcoming in showing your appreciation. Huh. Nothing would make me happier. I am sufficiently grateful to you, Alex. If that isn't enough for you, perhaps I should get down on bended knee. You wound me. That's quite all right. Please excuse me. Impudent little girl. You're nothing but a... I'll be the one who gets the last laugh. This war will end in victory.
Ouais, en fait, il se sert de la princesse pour avoir accès sur le au trône, je pense. Oui, déjà, je vous avais dit qu'il avait la tête du traître. Bah, ceci étant dit, il n'a pas totalement tort, parce que c'est lui qui est techniquement à la tête des armées des forces du Sud. La princesse ne contrôle qu'une unité, hein. Donc, techniquement, c'est vrai que s'il y a une victoire, c'est à lui qui va recevoir tout le mérite, donc bon. Juto, what are you doing here? I can't believe you have to bow and scrape to Alex because of me. If that's what it costs to join the Southern forces, then forget it. You were eavesdropping. I really didn't mean to. It's just that I never wanted you to have to kiss up to anyone because of me. You shouldn't have to do it. I'm a leader, Juto. It's only natural that I look out for my men. It's nothing that you need to worry about. What brought you here? Actually, I was planning to apologize. I said some terrible things to you, without knowing anything about the position you're in. There's no need to apologize. When it's all said and done, I was the one who got you mixed up in this war. Elle me fait penser un peu à Yuna dans FF10, pour ceux qui connaissent. Elle veut vraiment toujours prendre tout le malheur du monde sur ses épaules, on dirait. Yeah, but it was my decision to join the army. If you'd known I'd have to bow and scrape to Alex, you never would have joined the army? That's not... I'm sorry. Please pretend you didn't hear that. I'm criticizing you. Even though I'm in no position to. Let's go back to the barracks. There'll be another battle soon enough. We talked, but our words accomplished nothing. In the end, only silence remained. I didn't know just how great a burden she carried, or how grave a responsibility being a princess was. Any luck? What an unusual case. There doesn't appear to be any common rejection. Still, what brought this on? You're suddenly interested in taking a pen for a pet. Perhaps. Let's just leave it at that. But if I'm making it a pet, I want it to be clever. With a commander of this grade, the subject is sure to be enhanced even more than the last one. I look forward to it. We've received two missions from Commander Raoud. But we just cleared out those werewolves. I mean, are we the only unit in the Southern Forces? And seriously, two missions? Even our own unit is short-handed due to the preparations for the operation in Old Fox Canyon. Our first mission is to search out and eliminate a group of Lapper variants that are moving towards the port. Lappers? You mean those weak things that you could find on Highwind Island shore? Right, but this variant can't be defeated unless you completely break its shell. And their shells are so tough that they won't be easy to break. Is it just me, or do they always seem to stick us with the tough missions? You can break this variant shell with the Axe signature technique, Armor Break. Avec la celle d'Argo, quoi. The axes have been left with the soldiers at the city gates. Before we leave the city, don't forget to pick one up. What a hassle. So, what's the other one? Go to Abazet Port and bring back some bombs. Apparently, they're to be used in the battle at Old Fox Canyon. Sheesh, they're working us like dogs. There is a settlement of the Neko Neko people near the port. They've been helping the Southern forces.
cargo meant for the Southern forces is being kept there. So, we should be able to get all the bombs we need there too. Speaking of which, I heard that the Neko-Nekos are in the middle of fierce territorial battles among their own kind. Is that still going on? The roots of their conflict run deep. I doubt they will live in harmony anytime soon. Bon, très bien. Voyons. J'ai pas envie de jouer avec Argo. Non, c'est pas information. C'est formation, voilà. Voilà. Bracelet antique. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Et j'ai reçu une lettre. Alors, brise à mur. Ma technique spéciale est efficace contre les espèces de la peur. Ah, c'est Juto. Si je parviens à porter un coup critique avec une hache, j'ai une petite chance de déclencher un brise à mur. Je vais utiliser cette technique pour éliminer les lapeurs. Oui. Enfin, une hache. Moi, j'aime bien ma nouvelle épée que j'ai achetée. J'ai pas spécialement envie de prendre une hache. Ceci dit, si c'est nécessaire, on fera avec, hein. Mais bon. Donc, il a dit que c'était les soldats à l'entrée de la ville, au port de la ville, qui avaient des haches. Donc, on va aller leur parler. Et on va aller les éliminer. Donc, eux, ils se dirigent près du pont. Et ensuite, il y a les autres qui se dirigent... pas les autres. Il y a les bombes à aller chercher... au port d'Abazet. Alors, les gardes, c'est vous qui avez des haches? Si c'est une hache que vous cherchez, j'en ai une. Que tu arrives à t'en servir m'impressionne beaucoup. De tous les sudistes, tu es bien le seul, Argo. Très bien, à vous de jouer. D'accord, donc ça c'est... Ok. Chaque personnage peut utiliser deux styles d'armes. Changer de style d'arme qu'utilise un personnage a un impact majeur sur les attaques et les compétences disponibles. D'accord, donc en fait Juto peut utiliser deux épées. Zelfie a des bâtons et des éventails. Crocelle, boule de feu et des poings. Et Argo un marteau et des haches. Ok. Par exemple, Argo peut utiliser des marteaux ou des haches. Ces styles d'armes possèdent des caractéristiques différentes. Quand vous changez de style, les compétences et les techniques spéciales que vous pouvez utiliser, ainsi que le nombre d'attaques consécutives que vous pouvez lancer, changent aussi. Alors, quand vous changez de style, faites des essais. Par exemple, le vent apaisant de Zephy est une compétence propre au bâton. Si vous changez de style d'arme, le vent apaisant ne sera plus disponible. Ah ! Quand un personnage gagne un niveau, il obtient des points de compétences. Ces points lui permettent d'acquérir des compétences. Sélectionnez l'option... Ah, ça y est, l'option compétences est disponible. Ok. Donc on va voir ça. Oui, allez. Voyons ça, alors. Compétences. Alors, épée à deux mains ou épée à une main. Celle que j'ai, est-ce que c'est une épée à deux mains? Oui, c'est une épée à deux mains. C'est pour ça qu'elle faisait plus de dégâts. Donc toi, tu as un éventail et toi, c'est des boules de feu. Ok. Alors, on va peut-être améliorer épée à deux mains pour commencer. Donc, au lieu de projection, maintenant, j'ai coup pesant. Attaque un ennemi avec un grand coup d'épée. D'accord. Utilisation de l'endurance, moins 15%. Très bien. Combien il m'en reste? 73. Ah ouais, puissance offensive du personnage, 5 en plus. Je prends. Triple attaque contre un ennemi avec une épée chargée de cannes. Point requis, 50. Dépense 4 cannes. Augmente temporairement la puissance offensive... Lance des éclats de canne explosifs sur un ennemi. J'ai bien envie de prendre celui-là qui a l'air assez balèze. 18. Ouais, je peux acheter ça aussi. Augmente temporairement la puissance offensive. Voilà. Ok. Zelfie. Donc là, tu as plus le bâton, tu as ça. Vent coupant. Alors, on va l'améliorer. Esprit plus 5, je prends.
Créer un objet amplifiant le canne de vent, ça c'est pas mal. Invoque une trombe pour attaquer un ennemi. Tire une flèche de vent sur un ennemi. Alors, ça je peux pas le prendre. Ça non plus. Ça je peux le prendre en revanche. Donc, créer un objet amplifiant le canne de vent accumulé, c'est pas mal. Esprit plus 10, je prends. Récupération d'endurance du personnage, 5 en plus. Ça, je prends. Et c'est tout. Crocel. Donc, toi, tu as boule de feu actuellement. Hein. Je vérifie. Ouais, boule de feu écarlate. Ok. On va lui mettre la hache. À toi. Alors, compétence de notre ami Crocel. Boule de feu. Lance de feu, ça augmente les dégâts. Et l'utilisation d'endurance diminuée. Esprit plus 5. Endurance plus 5. Endurance plus 15. Ou alors, créer un objet amplifiant les cannes de feu. Ça, je vais le prendre. Embrasement. Donner un... ouais, non, mais ça, je peux pas l'acheter. En revanche, ça, je peux le prendre. Endurance plus 15. Donc ça, on va le prendre. Et enfin, notre ami à la hache. Hache cogneuse. Hache triple. Frappe 3 fois un ennemi à coup de hache. Je ne peux pas le prendre. D'accord. Et est-ce que pour le marteau, je peux pas limite améliorer ça? Non. Non, je peux rien prendre. Ok, d'accord. D'accord. Donc maintenant, en termes de... Ah, j'avais pas fait gaffe d'ailleurs. Je m'étais posé la question. Est-ce que l'épée est si courte que ça? Mais en fait, regardez, elle se déploie quand je déploie mon épée. C'est pas mal ça. Donc coupe-en, comment on fait pour changer les compétences? Voilà. Mort certaine, donc triple attaque contre un ennemi avec une épée chargée de canne. Non, ça c'est triple frappe. Mort certaine, augmente temporairement la puissance, coupe-en. Bon, on va garder triple frappe. Crocel. On va lui mettre, créer un objet amplifiant les cannes de feu, on va lui laisser ça pour l'instant. Et Zelfi, donc elle a que vent coupant et ça. Créer un objet amplifiant, on va lui prendre ça aussi, amplifiant les cannes de vent. Voilà. Allez, c'est parti. On doit se diriger donc vers le port d'Abazek qui est au nord et le pont... Le pont, il est où le pont? Ça doit être vers, au niveau de la porte sud peut-être. Je pense. Il n'y a pas marqué... Il y a pas marqué pont quelque part, donc... ouais, bah écoutez, on va aller directement vers le port. D'ailleurs, j'ai une lettre, on va voir. Que savez-vous des styles? Aujourd'hui, nous allons étudier les styles. Le style, c'est un mode de combat que vous pouvez adopter en fonction de l'arme équipée. Changez d'arme et le mode de combat et les compétences dont vous disposez changent aussi. Attention aussi aux techniques spéciales. Elles sont associées à une arme en particulier. Alors, si vous changez d'arme, vous changez aussi la technique spéciale. Il faut être vigilant. Ok. Allez, c'est parti. On va se diriger tout droit vers... le port d'Abazet. Et on va tester un peu mes nouvelles armes, tiens. Ah là là. J'ai pas eu le temps d'utiliser mon... ma compétence. Bon, ceci dit, ça a l'air de faire bien mal, leur truc, hein. Ouais, pas mal. Bah, je les utiliserai sur les Lapers, parce que bon, ils ont une carapace, j'ai pas pris... Jugo, donc du coup, je pense que ça sera un peu plus chiant pour la détruire la carapace. Alors on va voir ça, c'est quoi ça? Ah bah tiens, quand on parle du loup, ils sont là. Alors voyons voir. D'accord. Princess, you can rely on me a little. D'accord, donc là j'ai... Bon, on va quand même garder les trucs comme ça. Je pense que c'est mieux. Allez, on arrête deux secondes. Non. Voilà. Vent coupant. Finalement, je crois que je vais prendre notre ami... notre ami Jugo, parce que c'est vrai qu'ils sont assez, même beaucoup résistants. D'ailleurs, je ne peux pas... Si, je peux changer la formation en combat. Bon, bah alors, on va enlever Crocel et prendre Argo pour ce combat. Allez, viens là.
C'est vrai que lui, il est balèze. Hein. Allez, brise de l'armure. You can call me whenever you need to. This is my power. I'm pretty good, huh? Alors, brise armure, je peux l'utiliser ou pas? Voilà, brise armure. Allez, bang, voilà. Ok, il faut que j'en tue combien? J'ai même pas regardé. All right, let's go. Allez, debout. Voilà. Il faut que j'en tue encore un. Parfait, il y en a un là. Et il y a une autre quête juste dans le coin. Alors, on va aller voir ça. On va prendre Argo d'ailleurs. Allez. Et voilà. Bon, lui, c'est vraiment le gros bourrin, mais bon. Juto. Et on reprend notre ami Crocelle. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs de cette formation, vous dites le moi dans les commentaires. Mais moi je préfère quand même avoir Crocelle que Argo. Hein. Allez, alors c'est quoi la quête qui est là? Ah oui, mais j'avais déjà parlé au gars qui est là, je me souviens plus ce que c'est la quête qu'il m'avait donnée. Il me semble que j'avais déjà parlé. Ah non, il m'avait pas donné de quête peut-être à ce moment-là. C'est très embarrassant, mais pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Je suis apprenti tanneur, j'ai besoin de peaux de bêtes à griffes, mais impossible de m'en procurer. Ces bêtes sont vraiment sauvages, à deux reprises je suis passé de ça, de casser ma pipe. Le souci c'est que sans leur cuir je ne peux pas travailler, je suis vraiment dans la panade. Pourriez-vous capturer 5 bêtes à griffes pour moi? Allez. Je suis un chasseur médiocre, mais je m'entraîne, la prochaine fois j'y arriverai seul. Bien entendu, je vous paierai pour ces 5 bêtes. Ok. Alors on va faire ça, et ensuite on se dirige vers le port. Alors, bête à griffes, il y en a une là déjà, il y en a une autre un peu plus loin. Il y en a une là-bas. Allez, bang, bang. Eh, fait mal quand même, hein. Bon, très bien. Ensuite, voyons. Il y en a une là, une autre. Bon, en fait, il y en a plein là, c'est bon. Ça devrait être rapide. Non, approche. Ah ouais, pas mal son truc impact quand même. Il y en a une qui m'attaque ou je rêve? Ouais. Voilà. Et le dernier. Allez, mes amis, attaquez! Ça, c'est quand même assez balèze, un triple frappe tranchante. Ok, allez, allons valider la quête. Et direction le port. Alors comme il disait que c'est Neko Neko, je crois que ça s'appelle, son conflit interne, il y aura peut-être des quêtes à faire là-bas par rapport à ça, je sais pas. On verra bien. Et voilà, monsieur. Allez, blablabla, bla, bla. Oui, 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 on s'en fout, donne-moi de ma récompense, point de cuir. Alors, point de cuir, voyons, non, pas compétence. Équipement. D'accord, donc ça, c'est probablement pour toi. Donc là, ça diminue la... Donc là, c'est plutôt ouais, des points américains. Donc pour qu'il attaque, il fasse des coups de poing de feu, en fait, je pense. Ceci dit, je préfère le laisser avec la magie. Pour l'instant, en tout cas. Je préfère le laisser avec la magie. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce jeu, ce qui serait le mieux, d'après vous. Ou même si vous connaissez pas, d'après vous. Qu'est-ce qui serait le mieux? Que je lui mette des coups de... Enfin, les points de cuir pour qu'il frappe au corps à corps... En faisant, j'imagine, des dégâts de feu, ou alors de le laisser à distance pour qu'il envoie des boules de feu. Moi, personnellement, je pense que le coup des boules de feu est quand même plus efficace.
Mais donnez-moi votre avis dans les commentaires et j'en tiendrai compte, hein, parce que je peux me tromper en faisant ce choix-là. Alors déjà, on a une quête annexe en arrivant là. Deux quêtes annexes. Je vais sauvegarder quand même. Sauvegardons mes souvenirs. C'était ici. Alors, voyons voir. Pourquoi tant de quêtes annexes? Non, c'est pas toi. Toi, tu dois avoir une quête. Ouais. Pendant que vous êtes là, puis-je me permettre de vous demander un service? Miaou! Nos ennemis séculaires, les Nekojak, nous ont volé de précieuses nos précieuses clochettes. Ah, c'est des espèces de chats, en fait. J'aimerais que vous les récupériez. Je saurais vous récompenser convenablement. D'accord. Ces fourbes les ont cachés dans leur territoire, dans les coffres fermés à clé. Je suppose que les Nekojak gardent les clés des coffres sur eux. Ok. Et il y avait une autre quête. C'est toi qui en a. Non. À cause de ces fils du Nekojak, chaque jour qui se lève est plus terne que le précédent. Miaou. Cela vous dérangerait-il de tuer 6 de ces choses agaçantes? À cause d'elles, nos estomacs grognent. Comment? Ok. Bon bah on va faire ça déjà maintenant. Où est-ce qu'ils sont? C'est ça les Nekojak, ces trucs là-bas? Ouais, apparemment c'est ça. Allez, à l'attaque. Donnez-moi la clé. Vous avez entendu quand je les frappe? Ils font des bruits de chat. Allez. Oh, on balèze ce coup d'épée. Clé de Nekojak récupérée, parfait. Bah il y en a plein, hein. Après il suffit de trouver les coffres. Big man, huh? Allez, attaque! Parfait! Donc j'en ai tué 6, il reste plus qu'à trouver les coffres dans lesquels ils stockent leurs trucs. Bon, on va tous les tuer tant qu'on y est, hein, remarque. Ça fera de l'expérience, c'est pas négligeable. Voilà. Ah, vous avez vu, son éventail a une portée limitée quand même en termes d'attaque. Ils ont une bonne esquive, ceci dit, hein. Voilà. Là, il y a un coffre, ça doit être ça. Clochette, voilà. Bon, c'était des quêtes assez faciles pour le coup. Mais assez rigolote d'aller tuer des chats. Alors là, il y en a plein qui vont m'en vouloir parce que j'ai tué des chats, je pense. Voilà. Après, on ira voir là-bas ce que c'est ce bâtiment. Mais d'abord, allons valider les quêtes. Et au passage. Clochette! Formidable, incroyable! Miaou! Nous vous sommes redevables pour sûr! Vive les forces du sud! Très bien! Bombe de cristal de feu! Qu'est-ce que c'est que ça, bombe de cristal de feu? Alors, équipement. Est-ce que c'est un truc qui s'équipe? Bon, j'imagine pour toi. Non? C'est un objet alors? Article. Bombe de cristal de feu. Faite de canne de feu. Bombe destructrice. Donc ça doit s'utiliser en combat directement. Toi, vous les avez sauvés, allez blablabla. Chaud devant, lumière aveuglante. Bien. Et ensuite, c'est qui? C'est toi? Qui me donne les bombes? Les affaires, quel plaisir, hein. Tous les frais ont déjà été pris en charge. Les caisses de bombes sont ici. Pour quelle mission allez-vous les utiliser cette fois? Ok, j'ai les caisses de bombes, j'ai plus qu'à revenir en ville.
Je vais juste aller voir ce bâtiment là-bas, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bon, pas de quête annexe apparemment, c'est des gens à qui parler simplement. Ça a l'air d'être un... Ouais, la zone d'embarquement quoi. Le... Ah bah oui, c'est par là qu'on est arrivé... Oui, d'accord. C'est par là qu'on était arrivé de l'île du Haut-Vent. D'accord. Feuille curative, ouais, ça j'en prends. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudra peut-être que j'achète quelques objets de soins, parce que j'imagine que là, c'est les petites missions bateau, mais ensuite, ça risque de se compliquer. Donc, il faudra peut-être que je pense à en acheter. Bon, pour le moment, on va retourner à Bazette. Et puis, on verra bien ce qui se passera, hein. Pour le coup, je vais vous laisser profiter un peu de l'ambiance. Allez. En fait, je viens de réaliser un truc, il parlait pas de cette de la peur qui se dirigeait vers le pont, mais vers le port, je pense. À mon avis, c'est moi qui ai du mal lire. Congratulations on completing your mission. Also, I have a message for the princess. There is to be a meeting at General Headquarters this morning. Very well. I'll set out as soon as I get ready. Yes, princess. Alors, que savez-vous des monstres? Aujourd'hui, nous allons étudier les monstres. Il y a 1000 ans, les monstres n'étaient encore que de simples animaux. Mais après la Grande Guerre, pour s'adapter à l'environnement en ruine, les animaux ont changé. Les cœurs camondes des Carta nourrissant ainsi leur propre canne. C'est alors qu'ils se sont transformés en monstres chargés de camondes. Aujourd'hui, nous allons étudier les piliers. Les cannes qui transforment le monde circulent sans arrêt. Ces piliers peuvent percevoir le flux des cannes. Ils sont intelligents. Les piliers sont un vestige d'une civilisation ancienne, mais ce n'est que plus tard que des savants en ont fait les piliers que nous connaissons aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, nous allons étudier les cubes. En découvrant les propriétés des piliers, les savants ont décidé de les étudier. Ils permettent de transformer des lettres en cannes et de les envoyer vers d'autres piliers. C'est comme ça que nous échangeons des messages via les cubes. L'utilisation militaire et civile des cubes s'est alors très vite développée. Bien, bien, bien. On va sauvegarder quand même, après que j'ai fait tout ça. Tac, ici. Voilà. Et ben je pense que ça va être temps d'arrêter l'épisode, j'espère que ça vous a plu, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que j'équipe à Crocelle, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, salut tout le monde!